Super Mario Galaxy! Super Mario Galaxy et Super Mario Galaxy 2 sont des jeux vidéo de plateforme développés par Nintendo. Ces jeux sont publiés sur Wii en novembre 2007 pour Mario Galaxy 1 et en mai 2010 pour Super Mario Galaxy 2. Ils ont bercé l'enfance de beaucoup de gens avec le gameplay, les niveaux, les boss et surtout les musiques. Mais malgré cela, ces jeux regorgent beaucoup de mystères connus, mais aussi sombres. Très sombres. Bienvenue dans l'iceberg de la série légendaire Super Mario Galaxy. Voici les 4 parties de cet iceberg. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'un iceberg même, il est composé de plusieurs parties. La surface où on peut voir sa face visible, et ensuite sa face cachée. Sur cet iceberg, on va mettre des petites phrases, et plus on descend dans l'iceberg, plus les sujets seront obscurs et méconnus. Mais est-ce que vous arriverez à tenir jusque-là? C'est ce qu'on verra. Bref, commençons sans plus tarder par la première partie de l'iceberg, la surface visible. Hell Valley Sky Trees. Dans la galaxie Shiverborn du monde 5, les joueurs peuvent à tout moment passer en mode première personne et regarder en arrière-plan. Trois personnages étranges sont visibles au sommet du paysage montagneux qui constitue la skybox. Un grand personnage debout à côté d'un petit personnage et un autre petit personnage à une courte distance. Il s'agit juste d'un ensemble de deux silhouettes, de motifs de texture répétitifs, les troisième et quatrième entités étant juste un peu plus basses. Ces personnages peuvent également être vus à nouveau dans le monde S, qui est le dernier monde du jeu, plus précisément dans la Pool Star Area, qui utilise la même skybox que la Shiverborn Galaxy. Personnages sont visibles de n'importe quel point du niveau et on ne peut jamais interagir avec. De plus, aucun autre personnage ne reconnaît leur présence. Ils apparaissent comme de grandes créatures noires avec des yeux effrayants en forme de trous. Certains ont de longs bras, d'autres non, et leur taille semble également variée. Mais les deux théories les plus crédibles sont qu'il s'agit soit de Kodama, soit de Skinwalkers ou d'ombres du folklore originaire de l'enfer en Californie. Je vous mets en description une explication plus précise à ce sujet. Peach et Rosalina are related. Sur internet, il y a des spéculations qui suggèrent que Peach est la mère de Rosalina, puisque la représentation de sa mère dans le livre des contes ressemble à Peach. Cela s'est avéré faux, car les développeurs ont raconté l'histoire du personnage à travers un livre de la bibliothèque de l'Observatoire des comètes. Lorsque le jeu était en cours de développement, les créateurs allaient à l'origine faire en sorte que Rosalina soit liée à Peach. Je vous mets une théorie en description qui est plus détaillée sur ce sujet. Chou Luigi. Dans Mario Galaxy 1, vous pouvez trouver et sauver Luigi dans le royaume des abeilles, puis le niveau Envole-toi Mario Abeille. Après nous avoir envoyé une photo de lui avec un indice de sa cachette, une fois que vous l'aurez trouvé, en allant de l'observatoire de la comète, vous pourrez l'incarner afin de récupérer des étoiles de puissance pour nous aider à finir le jeu. Mais ensuite, si on rejoue au jeu en tant que Luigi, la même chose se reproduit. On retrouve Luigi en tant que Luigi, dans les mêmes cachettes. Il est lui-même confus en vous voyant en tant que Luigi en lisant « Oh my, are you me ?» ce qui signifie « Oh mon Dieu qui est coupé » et « Es-tu-moi ». Mais quand on lui parlera à l'Observatoire des comètes, il se rendra compte qu'il s'agit d'un univers maudit. You are Mr. Gay. You are Mr. Gay fait référence à une bizarrerie dans le lettrage qui apparaît dans le titre de Super Mario Galaxy 1. En effet, peu de temps après la sortie du jeu, une bague courante a commencé à se répandre, principalement sur les forums de NeoGAF. Certaines lettres du titre sont ornées de paillettes. Dans l'ordre, ces lettres sont U, R, M, R, G, A et Y. Si l'on considère que U et R sont des abréviations de You et R, et que l'on divise les lettres en mots de manière appropriée, il semble y avoir un message caché qui dit au spectateur « You are Mr. Gay », ce qui signifie « Vous êtes Monsieur Gay ». Certains ont commencé à se demander si le message était ou non une blague intentionnelle de la part d'un employé de Nintendo. Mais la plupart le considèrent comme une coïncidence. En 2010, lorsque la suite du jeu Super Mario Galaxy 2 est sortie, bizarrement, les étincelles figuraient plutôt sur les lettres U, R, M, I, A et Y. Lorsqu'il a inversé, le message signifie « Yeah, I'm your ». Ouais, je le suis. Peut-être répondant apparemment à la question posée par le titre du premier jeu. Comme le message secret du premier jeu, cela est généralement considéré comme une coïncidence. Rosalina Mother. Dans le chapitre 4 du livre des contes de Rosalina, Rosalina nous raconte qu'elle a fait un rêve où elle perdait sa mère sur Terre. Cette histoire parle de Rosalina quand elle était beaucoup plus jeune, sur la façon dont elle est partie dans l'espace, dans une aventure pour aider un luma. Tout ça avec une musique triste qui l'accompagne. Et on apprend ensuite que Rosalina était loin de sa mère. Ne t'inquiète pas ma chérie, je vais nulle part. Je veillerai toujours sur toi, comme le soleil le jour et la lune la nuit. Il est révélé plus tard que sa mère est enterrée sous un arbre, sur une colline où ils avaient l'habitude d'aller pique-niquer. Mais avant cela,
Rosalina pleurait de vouloir retrouver sa propre vie avec sa mère. Elle raconte ensuite que le luma que sa mère avait sauvé se transforme en une comète. Nous ne voyons le visage de sa mère qu'une seule fois. La moitié inférieure uniquement et la coiffure. Il est évident que la mère de Rosalina ressemble davantage à la princesse Peach, car elle a une apparence très similaire à la princesse Peach. Elle a des lèvres définies de couleur pêche et de longs cheveux blonds qui atteignent sa taille. Sa tenue principale se compose d'une robe turquoise à manches longues qui dévoile ses épaules ainsi que de boucles d'oreilles en forme de perles bleues saphir. Encore une fois, je vous demande de scrire sur deux théories qui rentrent encore plus en détail sur ce sujet. Riding Train in Toy Time Galaxy. Dans la galaxie du temps des jouets, il y a un train miniature sous une pente. Pour y accéder, il faut aller dans la première mission de Toy Time Galaxy, aller jusqu'au premier champignon à un ressort, mais ne l'obtenez pas. Escaladez le rebord suivant en utilisant des sauts de mur, puis au deuxième champignon, prenez le tapis roulant à droite et sautez sur le bloc orange. Mettez-vous à la première personne et vous le verrez. Il ne sert à rien et n'est probablement qu'un easter egg sans grande signification. Rosalina is Luigi's Doctor. Si l'on suppose que la princesse Peach est sa mère, d'après les images du livre des contes, on peut aussi supposer que Rosalina est l'enfant de Mario ou de Luigi. Oui, en effet, Luigi est une option possible si l'on tient compte des faits tirés des autres jeux Mario et de la génétique. Rosalina est gauchère, tout comme Luigi et Peach. Ils ont tous les deux les yeux bleus et des lobes d'oreilles attachés. Ajoutez à cela que Rosalina interagit avec Mario tout au long du jeu et ne le reconnaît même pas, d'une manière qui montrerait qu'il est son père. Certes, elle s'exclame qu'il existe d'autres réalités, de sorte que les choses ne sont pas toujours les mêmes lorsque la comète passe par sa planète natale. Mais quand même, ne pas reconnaître votre père debout devant vous-même n'est pas quelque chose de si probable. Alors avec tout ce que j'ai cité, on peut supposer que Luigi est bien le père de Rosalina. C'est sur ce que se finit la première partie de l'iceberg. Si vous êtes encore là, bien joué. Maintenant, descendons un peu plus loin dans l'iceberg pour découvrir des sujets un peu plus obscurs. Bienvenue dans la deuxième partie de l'iceberg. Starbits are Conpeito. Les Starbits sont des objets de collection courants introduits dans Super Mario Galaxy. Ils existent en plusieurs couleurs, rouge, jaune, vert, bleu, violet et blanc, et sont assez brillants. Dans Super Mario Galaxy et sa suite, ils donnent aux joueurs une vie supplémentaire lorsqu'un certain nombre d'entre eux sont collectés. Ils sont également utilisés pour nourrir Hungry Luma pour invoquer un nouvel emplacement, nourris à un Lumali pour gagner une vie supplémentaire ou 3 points de vie supplémentaires, et peuvent être utilisés pour étourdir les ennemis. Les Starbits font leur début dans Super Mario Galaxy et réapparaissent dans Super Mario Galaxy 2, et sont d'abord introduits sous la forme de petits rochers venus de l'espace, atterrissant lorsque Mario arrive au château de Peach au début du jeu. Pour les récupérer, le joueur peut déplacer le curseur étoile dessus ou simplement les heurter. Chaque 50 ou 100 que Mario collecte, il reçoit une vie supplémentaire. Maintenant, qu'est-ce que les Conpeito ? Le Conpeito est un bonbon japonais traditionnel, principalement fabriqué à partir de sucre. Et ces Starbits de Mario Galaxy ont été inspirés de ces fameux bonbons. Automate GameStop Message. GameStop est une entreprise spécialisée dans la distribution de jeux vidéo et de produits électroniques. Un message téléphonique automatisé envoyé aux personnes ayant précommandé le jeu chez GameStop indique que Super Mario Galaxy est un jeu classé mature. Voici la vidéo en question. Hello, it's me, Mario. Woohoo! And I'm calling you because I'm here at the GameStop where they're telling me that you pre-ordered my newest and greatest game, Super Mario Galaxy. Woohoo! It's an amazing game and it's gonna be here tomorrow at your local GameStop. You can come and pick it up at the GameStop store where you originally reserved your copy. Woohoo! I can't wait for you to see me flying around in my Bumblebee outfit. I'm out in space, trying to rescue the princess. Ah, she makes my heart go bada-bing, bada-boom, bada-ba. Oh, and you know what else? GameStop will let you bring in your old games to trade in for credit. Yeah, credit to help you buy a new copy of Super Mario Galaxy with me, Mario. Oh, and if you have any questions, make sure you call your local GameStop store where you pre-ordered my game. And they're gonna be happy to help you out. Okie-dokie, okie-dokie. Pokéball Planet in Buoy Base Galaxy. La Buoy Base Galaxy est une galaxie dans Super Mario Galaxy.
Il a une grande forteresse au-dessus d'un bassin d'eau sphérique. Mario doit escalader la forteresse pour le Power Star. Pour déverrouiller cette galaxie, la Pokéball Planète, également connue sous le nom de Aquatic Dome, est une planète qui ressemble à une Pokéball géante. Il est rempli d'eau au-dessus de la base de la bouée. Il y a une vis dessus que Mario doit faire tourner pour ouvrir la planète et y placer la Power Star. Deux machines génératrices d'ondes pulsées, l'une qui est en fait la vis, sont également ici. La Pokéball Plante est plus petite que la buée base et plus facile aussi. Roselina Original Design. Et si je vous disais que Roselina avait un ancien design ? En effet, on a retrouvé une image du design original de Roselina. Ce design a été trouvé dans le guide de stratégie Prima, un guide avec les solutions du jeu. A l'origine, Roselina avait un style vestimentaire très différent de celui qu'elle a maintenant. Elle avait plus un look de princesse, comme on peut le voir avec sa coiffure de ruche. Elle portait aussi un diadème et une robe ressemblante à celle de la princesse Peach ou de la princesse Daisy. Ses boucles d'oreilles, en forme d'étoile, sont aussi différentes de ceux qu'elle a maintenant. Elle avait aussi un collier qui était assorti avec ses boucles d'oreilles et des gants blancs. Alors que maintenant, Roselina a un look spatial plus maternel. Le changement est assez énorme, mais personnellement, je préfère le look qu'elle a actuellement, car cela lui correspond mieux. Starman Fortress. Dans les données de Super Mario Galaxy, une planète inutilisée appelée Starman Fortress peut être trouvée. Son design correspond à l'art conceptuel d'une planète forteresse présentée à nouveau dans le guide officiel Super Mario Galaxy Prima. Voici une comparaison des deux pièces d'art conceptuelles de la forteresse à gauche et du modèle inutilisé extrait du jeu, tourné dans la même perspective à droite. Ce niveau était très important pour les développeurs car c'était leur tout premier dessin pour qu'il soit dans le jeu. C'est ce qui leur a fait réaliser que oui, nous savons faire Super Mario Galaxy à partir de l'art conceptuel. Nous pouvons voir une grande tour fantaisiste, un système pour une grue, un canon à eau, un lac, des prairies d'arbres, il y a aussi quelques lumières, des astéroïdes, une fusée, une lune, des étoiles, et un boss crabe qui ressemble très fortement au boss Megaleg. Quelques parties de la forteresse ont été retrouvées dans les fichiers du jeu afin qu'ils puissent être reconstitués sans les cascades, le canon. Je vous mets une vidéo en description de Swanky Box qui joue à ce niveau qui a été refait par un fan. Pikmin Ship in Ghostly Galaxy and Space Junk Galaxy. Dans le niveau Space Junk Galaxy, on peut retrouver un grand et long vaisseau rouge flottant dans l'espace, ressemblant bizarrement aux planètes Rocket. Cette planète ressemble au vaisseau d'Olimar et Louis dans Pikmin 2. On peut le trouver dans les premières et troisièmes missions de la galaxie. Il possède deux cristaux contenant des pièces qui sortent de ses fenêtres. Sur le chemin de Tarantox, dans la troisième mission, l'extrémité de la planète a un Sling Pod, ainsi que Kelspoing. La planète Rocket n'apparaît que dans les niveaux Luigi and the Haunted Mansion et les niveaux avec Bouldergeist, et semble être une réplique exacte des planètes du même nom de la Space Junk Galaxy. Il a une apparence similaire au vaisseau d'Olimar et Louis de Pikmin 2. Bien qu'il ne puisse pas être visité par Mario, le joueur peut regarder vers la gauche juste après avoir atterri sur le manoir hanté afin de le voir flotter dans l'espace dans le niveau Luigi et le manoir hanté, et au-dessus et à gauche de la bataille de Bouldergeist. Une grande quantité de débris entoure le navire. Le joueur ne peut atteindre le navire que par piratage. Le navire a peu de gravité qui peut être échappé avec un seul saut. On peut le revoir aussi une troisième fois sur le niveau Starman Fortress, en haut à droite de l'image. Super Mario Galaxy mort. Et si je vous disais que le deuxième jeu de la série Mario Galaxy devait à la base s'appeler Super Mario Galaxy mort, et pas Super Mario Galaxy 2. Il a aussi été surnommé Super Mario Galaxy 1,5. Au début, ça ne devait pas être un nouveau jeu, mais juste une mise à jour de Super Mario Galaxy 1. Mais il a été décidé plus tard pour être transformé en une suite, car il y avait des éléments tels que Yoshi, une planète en forme de tête, et bien d'autres choses qui avaient été supprimées du premier jeu devaient être implémentées. Mais avec le temps, plus d'idées ont été ajoutées, au point où le jeu était devenu la suite de Super Mario Galaxy 1. Et aussi, savez-vous que Takeshi Hayakawa, le programmeur principal de Super Mario Galaxy 2, a créé un outil de développement qui a permis à n'importe quel membre du personnel de concevoir et créer des scènes sans le besoin de programmeur, et beaucoup de ces niveaux réalisés sont également dans le jeu final. Coconuts Turning into Watermelons. Dans Super Mario Galaxy et Super Mario Galaxy 2, les pastèques n'apparaissent que lorsque le joueur a collecté 9999 éclats d'étoiles. Après cela, elles remplacent toutes les noix de coco trouvées dans le jeu. Une pastèque apparaît également dans la Ghostly Galaxy à l'intérieur de la planète pastèque. Super Mario 128. Super Mario 128 fait référence à une suite de projets de développement qui devait initialement être utilisé pour créer la suite directe de Super Mario 64, mais qui n'est finalement jamais sorti. Le Nintendo 64 DD, ou plutôt Disk Drive, est un périphérique de la console Nintendo 64 sorti au Japon le 1er décembre 1999.
le 64DD se connecte à la Nintendo 64 via le port extension situé sous la console. Il permet à la Nintendo 64 de lire des disques magnétiques. Un modem permettait également de se connecter au réseau RampNet qui offrait différentes options comme le jeu en ligne, un service de messagerie ou la navigation sur Internet. Le 64DD offre la possibilité de faire communiquer deux jeux, l'un sur la Nintendo 64 au format cartouche et l'autre sur le 64DD au format disque, pouvant ainsi accueillir des projets plus ambitieux ou des extensions. Malheureusement, certaines sources prétendent que Nintendo fabriqua 100 000 64DD pour le lancement, mais que seuls 15 000 exemplaires trouvèrent acquéreur. Ce qui en fait un échec commercial. Les sorties nord-américaines et européennes sont annulées. Dans la démo de Super Mario 128 au salon Space World de Nintendo, sont montrées différentes techniques, comme celle de la génération rapide, qui est plus tard implémentée dans des jeux comme Pikmin. Le nom Super Mario 128 est utilisé pour la première fois dès janvier 1997 par Shigeru Miyamoto durant une interview pour Nintendo Power comme potentiel nom pour une suite à Super Mario 64. Cette hypothétique extension et suite appelée Super Mario 64 2 devait être développée sur le Nintendo 64DD, mais est finalement annulée. Super Mario 128 est une nouvelle fois mentionné lors d'un événement au Space World le 1er août 2000, quand Nintendo présente une démo technique intitulée Super Mario 128 pour démontrer la puissance de sa future console de jeu, la GameCube. Dans cette démo, un grand Mario en 2D se sépare en 128 petits Mario au-dessus d'une sorte de plateau circulaire, qui ressemble étrangement à un plateau de Monopoly. De plus, l'environnement de la démo est manipulé, pivoté et mis en rotation pour montrer les capacités physiques du système. À la fin, le plateau se transforme en pizza et est ensuite inséré dans la GameCube. En 2003, il monte avec Takao Shimizu un nouveau studio de développement, le Nintendo EAD Tokyo, une annexe du Nintendo EAD après avoir achevé Donkey Kong Jungle Beat. Koizumi pense continuer avec un deuxième projet assez modeste, mais Miyamoto l'invite à tenter le développement d'un projet d'une grande envergure. Son équipe et lui décident alors de se lancer dans la création d'un nouveau Super Mario en utilisant un concept que Miyamoto souhaite développer depuis plusieurs années, un jeu se basant sur de petits stages sphériques. C'est comme ça que Super Mario Galaxy est né. Donc, d'une certaine manière, sans Super Mario 128, Mario Galaxy ne serait jamais sorti. E3 Beta Gameplay. La bêta de Mario Galaxy a eu lieu pendant l'E3 de 2006. Il y a beaucoup de choses ici que nous ne voyons pas dans le jeu final. Pour commencer, on peut voir que le compteur de santé est très différent du jeu final. Dans la version finale, vous ne pouvez avoir que jusqu'à 6 points de vie, et c'est si vous avez un bonus que vous n'aurez pas 90% du temps. Dans le jeu final, avoir plus de 3 points de vie rend également le compteur de vie en vert. Contrairement à la version bêta. De plus, le texte disant « Life » semble être différent. Dans la bêta, le L et le F semblent être élevés au-dessus du I et du E, contrairement à la version finale. Il y a aussi une minuterie, pas présente dans le combat final, probablement présent uniquement dans la version bêta pour que le combat soit une démo. Un message s'affiche disant « Time's up » lorsque vous manquez de temps dans la démo. Contrairement à la version finale, un son différent est joué lorsque le roi Caliente, le chef du Calmar, et Mario frappent le boule verte. Dans la bêta, cela ressemble à une gifle. La finale a divers bruits de trompettes joués lorsque Mario et le roi Caliente frappent la balle verte. Ce n'est pas tout à fait clair dans cette vidéo, mais il semble que King Caliente se comporte différemment dans la bêta. Dans la version finale, le roi Caliente commencera à frapper les balles vertes loin de lui plus de fois plus il a subi de dégâts. Aucun dégât ne reflètera pas. Un coup reflètera une fois. Après avoir reçu son deuxième coup, il devient enragé, perd sa couronne et fait apparaître ses sbires bleus. Deux coups reflètera deux fois. Après avoir pris le troisième coup, il meurt et une étoile apparaît. Dans cette démo, King Caliente ne subit aucun dégât, mais il renvoie les boules vertes au moins deux fois, peut-être plus. Le logo de l'écran de titre est aussi très différent du logo actuel. La première planète que le joueur visite est Star World, qui n'est pas dans le jeu final. Il y a des cloches sur une arche avec lesquelles il est possible, ici, d'interagir à l'aide de la Wiimote. Il y a 20 notes de musique que le joueur doit récupérer. Les crapauds avaient des points d'exclamation dessus de leur tête à chaque fois qu'ils voulaient nous parler. Les Octombes avaient l'habitude de planer. Blue House in Deep Dark Galaxy. Dans le niveau Deep Dark Galaxy, il y a la planète relais Skaldon, qui semble presque identique à la planète principale de la galaxie de la passerelle, mais à une échelle beaucoup plus petite, avec les nuages en arrière-plan qui disparaissent de sorte qu'elle semble identique à celle de la passerelle. Il y a aussi 3 Goombas dessus. De plus, il y a une petite vis en or dans le sol, où se trouverait normalement le château. Lorsque Mario tourne cette vis, l'air à l'intérieur de la planète commence à s'échapper, et la planète se rétrécira en conséquence. Au fur et à mesure qu'il devient de plus en plus petit, un grand anneau de pièces encerclant la planète sera révélé. Il continuera à rétrécir jusqu'à ce qu'il disparaisse avec une petite bouffée de fumée.
Après quoi, Mario retombera sur la planète Relais E. Cette planète n'est accessible qu'en tirant sur Mario avec un canon depuis la planète de départ. Mario voyant le sol transparent à l'intérieur de la maison bleue, en mode caméra, en raison d'un bug, le joueur peut entrer dans la maison au toit bleu. Pour ce faire, le joueur doit s'accroupir et entrer par la porte de la maison, réalisée en maintenant enfoncé et en marchant dans l'embrasure de la porte. Mario ou Luigi devraient maintenant être à l'intérieur de la maison. En utilisant le mode à la première personne, le joueur peut voir la conception virtuelle de base de la maison ainsi que les pièces qui sont cachées à l'intérieur de la planète. Les murs de la maison ne sont pas visibles de l'intérieur en raison de l'abattage de la face arrière. Donc pour quitter la maison, Mario ou Luigi doit simplement sortir. Vous voici à la fin de la deuxième partie. Vous avez réussi à tenir jusque-là. Maintenant, découvrez la troisième partie encore plus sombre de l'iceberg. Enfin, si vous avez le courage, bienvenue au fond de l'iceberg. Rupee Shapel Starbit Cluster in Rolling Gizmo Galaxy. Dans le niveau Rolling Gizmo Galaxy, la première partie du parcours est constituée d'une zigzag, menant à 4 blocs géants qu'il faut détruire en sautant en les enfonçant avec la boule. Derrière les blocs se trouve un pont que Mario doit abattre un peu comme les blocs. Une formation de Starbits bleus en forme de roupie, la monnaie de la série de Legend of Zelda, plane dans l'espace derrière le pont, qui ne peut être vu qu'avant qu'il ne soit renversé. Si Mario regarde du haut, passé le pont, se trouve un lanceur qui enverra Mario dans la deuxième partie de cette zone. C'est une plateforme concave avec un trou au centre et des pièces autour. Et le trou mène à la deuxième zone. Bon, évidemment, ceci est encore un easter egg de la part de Nintendo. Nvidia Shield Port. Officiellement, Mario Galaxy est sorti sur la Wii et sur Wii U, uniquement en téléchargement sur l'eShop pour la Wii U. Et en 2018, Super Mario 3D All-Star, un jeu rassemblant Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy, a vu le jour sur Nintendo Switch. C'était exactement les mêmes jeux, mais en 1080p 60fps. Et il y avait une version du jeu qui n'est pas très connue, la version Nvidia Shield. La Nvidia Shield est une console de salon qui est fabriquée et commercialisée par Nvidia en 2013. Le jeu est jouable sur le Nvidia Shield depuis 2018 uniquement en Chine. Il fonctionne sur Android, car le contrôleur Shield n'a pas de commande de mouvement, car ils ont tous été mappés sur les boutons. Le stick analogique 3 est utilisé comme point à l'écran, et la gâchette droite est utilisée pour saisir les étoiles, tirer les étoiles et pour confirmer les choix. Super Mario Galaxy 2 E3 Trailer. Le trailer de Super Mario Galaxy 2 est sorti en 2009 et contient beaucoup de contenu du jeu inédit. Le plus gros sujet de discussion ici est le Starship Mario. Il ressemblait à un véhicule qui consommait énormément de carburant. Il avait également l'habitude d'avoir des morceaux d'étoiles et un one-up unique au-dessus. Et la galaxie Nid de Yoshi était complètement différente du trailer. Et en un coup d'œil, la différence est incroyable. En interagissant dans la redoutable usine de vaisseaux de Bowser Jr., une cinématique où deux dirigeables sortent des trous de verre, ce qui n'a pas fait partie du jeu final. À la place, cela se produit pendant le jeu. Et aussi, dans le trailer, il n'y a pas vraiment d'effet au niveau du son. Par exemple, on entendait Yoshi avec le même son, celui du grognement quand on mange un piment. Et il y a aussi une toute petite sphère avec un bouchon et un liquide autour de la sphère, qui ressemble à une sorte d'astéroïde. Il y a des astéroïdes et une planète verte vue dans les bandes annonces, mais on ne sait pas d'où ça vient. Et enfin, toutes les galaxies présentes dans la bande annonce ont subi des modifications avant la version finale. Super Mario Galaxy in Nintendo Power 1991. Si seulement nous avions 27 doigts, écrit par Jimmy Peter Ford de Glenn Globe à New York. Sa lettre a été présentée dans un magazine qui se nomme le Nintendo Power. En 1991, il indique que sa console fantastique sera un système complexe de 512 bits, pouvant afficher 27 876 992 millions de couleurs. Il souhaite également qu'elle puisse jouer à n'importe quel jeu à partir de n'importe quel système. Il y aurait également un groupe miniature à l'intérieur de la console qui savait comment jouer n'importe quelle chanson. Il viendrait avec 6 contrôleurs à 27 boutons et coûterait 259,95$. Tout cela était un vœu, mais ce n'est pas l'objectif principal. Le jeu qu'il voulait que le système sorte au lancement était Super Mario Galaxy ou Super Mario Bros 24. Mais tout ça a été écrit en 1991, et Mario Galaxy n'est pas sorti avant 2007. Donc, Jimmy a prédit le nom d'un jeu 16 ans avant sa sortie officielle. Sûrement une coïncidence, même si le nom du jeu n'est pas si compliqué à prédire, il y a juste à rajouter le mot Galaxy. Feeding Hungry Luma makes them commit suicide. Quand vous nourrissez un Luma de la quantité désirée de Starbits ou de pièces, il se transforme en une nouvelle galaxie ou une nouvelle planète. Mais transformer est juste un mot fantaisiste pour dire mourir. Parce que les Lumas ont beaucoup en commun avec les étoiles. Ils explosent et meurent quand ils épuisent leur combustible nucléaire ou quand ils accumulent trop de matière. Parce que vous nourrissez les Lumas jusqu'au point où ils ne sont plus capables de manger. Alors quand cela se produit, elle fait exploser sa couche externe dans l'espace provoquant un supernova, laissant son noyau chaud et exposé se refroidir dans l'espace. Les conséquences de la mort d'une étoile peuvent créer une nouvelle étoile ou une nouvelle planète au fil des années. Elles veulent exploser afin de créer de nouvelles galaxies et des planètes.
D'une certaine manière, Mario les aide dans leur soi-disant suicide. La même chose s'applique aussi aux lumières qui vont se transformer en champignons ou en dés. Cependant, la comète Tycho est unique. Quand vous les nourrissez de 20 étoiles, il va placer une comète farceuse dans une galaxie. Voici encore une question plus importante. Que sont ces trous noirs que l'on voit partout dans les jeux? Sont-ils les restes d'un luma qui a échoué à sa transformation? Ou sont-ils juste des étoiles mortes ordinaires? Ce que je veux dire, c'est que les lumas sont cités comme soi-disant qu'ils peuvent se transformer en étoiles normales et en comètes aussi. Il y a beaucoup à penser, mais évidemment, c'est un jeu pour enfants. Donc il n'y a pas de sous-entendu sombre. Vous êtes juste là pour aider les lumas à réaliser leur souhait de transformation. C'est leur destin. En faisant ça, vous obtenez plus du jeu à jouer. Il y a aussi des lumas ordinaires qui se transforment en objets sans avoir besoin d'être nourris. Et cela confirme ce qu'ils veulent faire. Super Mario Galaxy IQ. La société de jeux vidéo chinoise IQ a été fondée en 2002 pour localiser et distribuer les consoles et les jeux Nintendo en Chine. C'est ainsi que Mario Galaxy a pu être localisé à l'IQ. Mais ça va plus loin que les jeux distribués en Chine par IQ, comme Super Mario 64, la série Mario Kart ou encore New Super Mario Bros. Qui sont sortis sur les consoles de la marque IQ. La plupart du temps, ils ont juste mis la marque IQ devant le nom de la console portable. Par exemple, la Nintendo 64 devait s'appeler le IQ Player. IQ a localisé quelques autres jeux dans la Nvidia Shield, la Wii, la 3DS et la Nintendo Switch. Assez fou que Nintendo doit faire cela juste pour que certains de leurs jeux soient vendus en Chine. Sign behind the door in Good Egg Galaxy. Dans le niveau Good Egg Galaxy, une maison peut être trouvée. Si on s'en approche, une icône de lecture apparaîtra. Lorsque Mario est près de la porte, cliquez sur le bouton A et une boîte de texte apparaîtra, indiquant que Yoshi est parti depuis longtemps et que tu as besoin d'utiliser le tuyau de l'autre côté. Si vous êtes capable de tourner la caméra, on peut voir un panneau de l'autre côté de la porte. Ce panneau regarde fixement Mario. Les développeurs ont créé cette illusion insolente d'interagir avec la porte alors que ce n'est même pas le cas. Si vous entrez dans la maison par la cheminée ou de l'autre côté, comme le panneau le disait, vous êtes pris dans cette étrange cavité. Elle est beaucoup plus grande que la maison en elle-même et vous pouvez toucher cette pièce pour faire apparaître des notes de musique qui joueront le thème souterrain de Super Mario Bros. Tu peux aussi tirer des Star Beats pour obtenir des pièces. C'est une pièce vraiment étrange et mystérieuse. The Fountain is the bathroom in Japan. La fontaine est l'un des 6 dômes de Super Mario Galaxy. Dans la version japonaise du jeu, Basulumu, ça veut dire la salle de bain dans toutes les autres langues, sauf en espagnol et l'anglais. C'est intéressant car il n'y a plus une salle de bain ici, mais une fontaine. Il y a quelques trous dans les murs pour que l'eau fraîche coule, une zone circulaire pour se baigner dans le carrelage mural et une atmosphère relaxante comme les bains japonais. Et je me demande bien pourquoi ce dôme n'a pas été appelé la salle de bain. Super Mario Galaxy 1, Lonely Atmosphere. Cette ambiance commence juste après les événements du Festival des Étoiles. Ce zoom arrière commence l'atmosphère de Mario Galaxy. Ce thème de la solitude est éparpillé dans tout le jeu. L'espace est infiniment grand, infiniment expansif. Et ceci est Mario, une partie extrêmement petite de l'univers. Et là, je vais vous proposer de vous arrêter afin de prendre une profonde inspiration et de vous détendre pendant quelques secondes pour contempler l'énorme horizon en face de vous. La caméra fait un zoom arrière et maintenant vous devez chasser 3 lapins sur cette petite planète. La musique d'accompagnement aide à ce sentiment de solitude. Après avoir rattrapé tous les lapins, Mario est présenté à Rosalina et est ensuite chargé de trouver et ramener la première grande étoile. Elle est utilisée comme combustible pour alimenter le noyau de l'observatoire de la comète. Le monde central du jeu, la source de l'atmosphère solitaire, est pendant l'heure du conte de la bibliothèque. Rosalina raconte sa solitude en aidant son Luma à retrouver sa maman. Elle pleure la perte de sa famille. Sa maman se sent vraiment seule, même avec ses amis Luma. L'observatoire de la comète a été créé grâce à un lien mutuel de solitude. Ce sentiment de solitude accompagné de tristesse se lit sur le visage de Rosalina. Et surtout dans ses yeux. Et elle ne pourra plus jamais voir son père ou son frère. Une véritable solitude au milieu de la foule. Mais cependant, elle est satisfaite de tout ce qu'elle a accepté. Elle a accepté la maternité et le placement en famille d'accueil. Elle a une maman pour ses Luma, afin qu'il n'ait pas à ressentir la douleur qu'elle a ressentie. C'est ma famille maintenant. Et je vais rester avec eux jusqu'à qu'ils soient prêts à quitter le nid. Et quand ils partiront, je les verrai partir avec un sourire parce que c'est ce qui rend la mère la plus heureuse. On peut voir cette atmosphère solitaire s'infiltrer dans le reste du jeu à travers son univers. Les déplacements à travers le cosmos vers d'autres galaxies pour obtenir plus d'étoiles est excitant. Mais alors ceci peut arriver. Vous vous sentez seul, petit, sur cette planète habitée par quelques petites créatures. Regardez au loin de l'horizon, montre qu'il y a encore plus là-bas à explorer. Et vous n'avez même pas encore tout exploré. Comme je l'ai déjà dit, la musique aide à solidifier ce sentiment, même lorsque la musique est enjouée ou rapide. Ce sentiment de solitude, dans un infiniment grand, ne peut être secoué. Et c'est ce que Mario Galaxy veut faire.
C'est un sentiment immensément puissant, sentiment amplifié par certains événements et niveaux. Il peut être aussi relégué au second plan, alors que d'autres thèmes et spectacles doivent prendre le projecteur. Mais peu importe où vous vous trouvez dans le jeu, peu importe ce que vous faites, sa beauté sera toujours là, comme une maman qui veille sur ses enfants. Storybook Rosalina versus Baby Rosalina. L'histoire de Rosalina a été expliquée. Pendant ce temps, bébé Rosalina fait des courses de voiture. On ne sait rien d'autre sur elle, à part que c'est une petite Rosalina. On pourrait penser que Rosalina aurait pu raconter au Lima sa carrière de pilote, ou sa carrière de médecin en tant que bébé. Les incohérences entre ces deux versions de Rosalina sont énormes. De plus, la Rosalina du livre a des allusions à une rousse claire. Alors comment pourrait-elle passer de blonde à des cheveux roux en tant que bébé, en tant qu'enfant, et ensuite redevenir blonde à l'âge adulte? À ce stade, je ne pense même pas que bébé Rosalina est la même dans Mario Galaxy. Unused Beta Song. Les jeux ont des musiques inutilisées de leur version bêta. Et en général, elles sonnent toutes comme si elles avaient été utilisées pour des thèmes de niveau, des combats de boss et juste des trucs divers. Encore une fois, je laisserai un lien en description vers une playlist compilant toutes les chansons inutilisées de ces jeux. Et je vais finir cette entrée avec quelques extraits de chansons inutilisées. C'était le dernier sujet de la troisième partie de l'iceberg. Maintenant, je vous propose de prendre une grande inspiration et de descendre encore plus bas pour la dernière partie de l'iceberg, car les sujets sont encore plus sombres. Bienvenue dans la dernière partie de l'iceberg, les abysses. Original soundtrack, Bang MIDI. D'abord, voici qu'est-ce qu'un MIDI. Un MIDI est une norme technique qui décrit un protocole de communication, une interface numérique et des connecteurs électriques permettant de connecter une grande variété d'instruments de musique électronique, d'ordinateurs et de dispositifs d'audio annexes pour jouer, éditer et enregistrer de la musique. Et donc oui, c'est vrai que les bandes sonores originales des deux jeux sont des MIDI. Alors voici quelques comparaisons entre les MIDI par rapport à la musique orchestrée. On ne sait pas vraiment pourquoi ils étaient enregistrés en MIDI. SMG2 is SMG1 after the universe reset. Après la réinitialisation de l'univers dans Mario Galaxy 1, qui arrive après avoir vaincu Bowser, Mario est emmené dans un endroit, et ensuite Bowser, Peach et Mario se retrouvent au château de Peach. La raison de comment ils sont arrivés là est inconnue, mais tout le monde a l'air de s'amuser, les bons comme les méchants. Évidemment, Rosalina se souvient de ce qui s'est passé dans le cycle précédent. Mario, Peach et Bowser peuvent aussi s'en souvenir, mais on ne sait pas si quelqu'un d'autre s'en souvient. Si nous regardons vers le ciel, nous pouvons voir l'observatoire des comètes. Cela signifie que l'univers a été réinitialisé, mais le cycle ne se répète jamais de la même manière. Mario accueille les nouvelles galaxies, et si vous collectez 120 étoiles comme Mario, vous pouvez voir que les Lumas sont vivants dans le nouvel univers avec Rosalina. Après le générique, Mario Galaxy 2 commence sur un nouveau festival. Peach invite Mario à manger son gâteau pendant qu'il regarde les étoiles filantes. Donc, ces étoiles filantes sont mentionnées, mais rien sur une grande comète bleue. On peut déjà voir des différences entre les deux univers. Et il y en a beaucoup d'autres sur son chemin vers le château. Mario trouve un bébé Luma perdu, avec lequel il se lie d'amitié, et qui lui donne la capacité de tourner. Bowser devient énorme en mangeant des grandes étoiles. Il attaque le
château et kidnappe la princesse Peach. Mario part pour le centre de l'univers avec ses nouveaux amis, où Bowser est en train de créer son empire. Mais la pièce la plus importante du puzzle est Rosalina à la fin du jeu. Lorsque vous battez Bowser, sauvez Peach et obtenez la grande étoile finale, Rosalina apparaît. Elle vous remercie pour vos efforts et pour avoir gardé le baby humain en sécurité. Mais elle dit aussi quelque chose qui relie tout ensemble. Ce n'est pas une sorte d'accident, elle fait référence aux événements de Mario Galaxy 1. Et c'est pourquoi Mario Galaxy 2 et Mario Galaxy 1, après la réunion de l'univers, pour être un peu plus spécifique, c'est une version modifiée de celui-ci, juste dans un autre cycle. Duplicate Torch on the Observatory. Quand on est dans l'observatoire des comètes, si on regarde bien, on peut voir une torche qui se détache. C'est tellement plus lumineux que toutes les autres torches. JasperLZ sur Twitter l'a fait remarquer en montrant qu'il y a deux torches empilées l'une sur l'autre. Quelque chose comme ça, ça n'est pas vraiment évident. Sauf si vous regardez directement. Donc je ne suis pas surpris que personne dans l'équipe de développement n'ait remarqué cela. Yuna's Galaxy Selection Model. En retournant le plancher de la salle de montage, il y a un total de 6 modèles de sélection de galaxies dans Mario Galaxy 1. Malheureusement, il n'y a pas de modèles à montrer, mais il est noté que 4 d'entre eux sont ces galaxies auxquelles on peut accéder par des étoiles. Dans l'observatoire des comètes, ce sont des bulles de galaxies très douces, dont Blast Galaxy, la galaxie Rolling Gizmo et la galaxie Drip Drop. Ces galaxies sont encore jouables. La galaxie Fruits et Biscuit sont accessibles après avoir nourri un Luma affamé de 400 morceaux d'étoiles. Et la galaxie Drip Drop est accessible après avoir nourri un Luma affamé de 600 étoiles. Et la galaxie Bubble Blast et la galaxie Rolling Galaxy Gizmo font partie des 3 galaxies d'essai. Les 2 derniers modèles de sélection sont pour des galaxies inconnues. Elles n'ont pas de nom officiel. Donc tout ce qu'on peut lire, c'est Mini Koopa JR Driver Galaxy et Mini Trileg LV2 Galaxy. Ça fait beaucoup de fois le mot Galaxy. Rosalina Fathers in the French version of Rosalina Storybook. Dans la version française de Mario Galaxy 1, le livre d'histoire de Rosalina a des lignes différentes sur cette page de la version française. En fermant les yeux, la fille se souvenait de sa petite planète enveloppée d'une douce lumière. C'est vraiment magnifique, mais c'est très étrange de voir que cette page a été conservée dans la version française uniquement. Elle nous donne un petit aperçu de qui était le père de Rosalina. Cela a également des implications majeures sur toute la théorie du père de Rosalina, Luigi. Aussi, ne nous focalisons pas que sur ça. L'homme que Rosalina décrit ressemble à une personne qui est fière, qui a vécu pleinement sa vie, et qui s'est maintenant installée avec sa famille, travaillant et appréciant le temps passé en famille quand il le peut. Donkey Kong Jungle Beat Leftover Model Files. De nombreux modèles et les animations de Donkey Kong Jungle Beat ont été retrouvés dans le dossier des modèles du jeu de Mario Galaxy 1. Comme pour la dernière entrée, ces fichiers peuvent être trouvés sur le plancher de la salle de coupe. Nous avons Baki Bay, Black Mist Creature, modèle de Coco Peak Crest, modèle Flamme Gun, Neck Dragon, Fairy, Pig Pogo, Airfish, Spring Flower Flow et Y Mouse. Voici quelques faits rapides sur certains modèles spécifiques. La créature Black Mist Creature n'a pas de tête, et le pistolet à flamme a été noté pour fonctionner. Certaines de ses animations fonctionnent, mais il n'émet aucune flamme qui sort de sa bouche. Il y a en fait un modèle de Jungle Beat qui a été intégré dans Mario Galaxy. C'est assez bizarre. Blue Shellet Koopa. C'est un fichier appelé OBJ underscore ARG 0 qui détermine la couleur d'une coquille de Koopa dans Mario Galaxy 1. Si l'idée est changée en numéro 3, le Koopa aurait une coquille bleue, même s'il n'y a pas de coque bleue dans le jeu. Mario Cosmic utilise une coquille bleue pour nager plus vite dans la course de la galaxie C-Slide, donc c'est ce qui se rapproche le plus d'un Koopa à coquille bleue. J'imagine que la coquille bleue aurait fonctionné comme dans Mario Kart, où elle cherche à retrouver celui qui est en première place et s'écrase sur lui, ce qui suggère qu'il serait utilisé dans une course cosmique. Halley's Comet in the Kitchen Dome Window. Cette comète vient dans notre système solaire périodiquement tous les 75 ans environ. Elle a été repérée et photographiée pour la dernière fois par la NASA en 1986, ce qui signifie que sa prochaine apparition sera en 2061 ou 2062. On peut voir ce commentaire dans Mario Galaxy 1 à travers la fenêtre du dôme de la cuisine. Il y a une autre lumière cosmique qui couvre partiellement sa queue, mais il est là dans toute sa gloire. NVIDIA Shield 4 using Wi-Fi 2X to upscale texture. Wi-Fi 2X est un programme de réduction du bruit et de mise à l'échelle d'images pour les œuvres dessinées dans un logiciel de dessin. Cette entrée suggère que NVIDIA a mis à l'échelle les textures de Mario Galaxy en utilisant Wi-Fi 2X. Realistic Bug Models. De retour à la salle de montage, il y a des insectes réalistes et leur forme larvaire qui n'ont aucune similitude avec les autres modèles trouvés dans le jeu, ce qui s'oppose définitivement à l'ensemble esthétique de la galaxie Mario. Nous avons la lave, la grande lave, la petite mouche, Big Fly, et mon préféré, Big Big Fly. Certains d'entre eux ont été notés pour avoir des animations, alors à quoi auraient servi ces insectes?
Les infections extraterrestres dans l'espace sont un concept populaire. Il suffit de regarder quelques jeux vidéo populaires des 20 dernières années environ, nous aurons pu avoir une galaxie ou une planète criblée d'une infection extraterrestre, qui aurait pu pourrir une planète ou infecter d'autres créatures. C'est assez inquiétant d'y penser, dans le contexte de Mario Galaxy. Un jeu léger, fait pour les enfants. Tokyo Patrol Error. Mario Galaxy 2 a beaucoup de fichiers texte inutilisés. Beaucoup d'entre eux sont des dialogues inutilisés, d'où vient le Tokyo Patrol Error. Ce sont tous des fichiers MSBT contenant un texte de jeu vidéo et des informations sur la façon dont il est affiché. Donc ceci est un message d'erreur qui devrait apparaître lorsque vous êtes dans un endroit où vous n'êtes pas censé être. Le jeu ne le fait pas dans sa version finale. Peut-être qu'il n'y a plus besoin d'afficher cette erreur. Même si vous êtes à un endroit où vous n'êtes pas censé être, de toute façon, les messages n'apparaissent jamais dans le jeu. 2007 website. J'ai eu beaucoup de résultats de la recherche, mais pas de site 2007. Cependant, supermariogalaxy.org était le premier résultat, et il m'a conduit à une URL invalide. J'ai donc cherché l'URL sur Google, et j'ai trouvé un lien vers la page nintendo.fandom. Alors pourquoi elle est sur ce site ? Tout simplement parce qu'ils ont des liens externes vers des sites web en cliquant sur le site officiel japonais. Ce lien nous amène ici, mais je ne peux pas lire ce qui est écrit ici. Mais j'ai remarqué le texte copyright 2007 Nintendo. C'était prometteur, donc j'ai copié l'URL et je l'ai collé dans la machine Wayback. Ce n'est pas trop différent de la version du site de la page Mario pour Fandom. La page du snapshot du 11 octobre est moins complète que celui du 1er novembre. Le jeu est sorti le 1er novembre 2007, c'est donc logique. Le site web de 2007 auquel cet article fait référence. Il y a des liens qui vous amènent à des pages sur le site avec des informations générales. Image Galaxy Control Power Up et fond d'écran pour PC. C'est juste un résumé du site. Il y a plus de détails à explorer, donc ce sera dans la description si vous voulez vérifier les données inutilisées de la course des clones cosmiques. SMG2 Take Place in 20XX. Il existe un jeu appelé 20XX, inspiré de Mega Man X, qui se joue comme un jeu de plateforme et d'action. Il y a une suite appelée 30XXX, mais je ne pense pas que c'est ce que l'entrée faisait référence. Le jour change en 20XX, c'est une année inconnue au 21e siècle. J'ai cherché partout des réponses sur ce sujet, mais aucune n'est apparue. Alors je vais vous dire la théorie que Sunflower a fait à ce sujet. Sa vidéo est en description. Il y a deux façons auxquelles j'ai pensé pour voir ça. La première est que Mario Galaxy 2 se déroule dans une version alternative de notre 21e siècle. Comme vous pouvez le voir, il y a une différence majeure entre notre monde et le jeu. Alternativement, on peut voir comme si les événements de Mario Galaxy 2 se déroulaient dans la vraie vie. Je pense que des extraterrestres devaient venir sur Terre avant que cela n'arrive. Un moyen approprié de voyager dans l'espace serait également nécessaire. Alors, quand ce jeu se déroule-t-il au 21e siècle ? Qui sait ? Mais soyez prêts pour une expérience hors du commun. Space Junk Galaxies Unused Cosmic Clone Rise Data. Voici une vidéo d'Orum intitulée Super Mario Galaxy Unaised Space Junk Cosmic Race. Dans la vidéo, Orum a chargé et enregistré ce niveau. Dans la description de la vidéo, il est dit que quelques modifications ont dû être apportées à certains des paramètres pour que ça marche. La Speedy Comet a été remplacée par la scène de départ, mais n'a pas l'air d'avoir été finie. La course a l'air géniale, et en utilisant les étoiles bleues pour faire la course avec le clone cosmique. Cet élément unique dans la course l'aurait fait se démarquer des autres entre elles. Je suis sûr que cette course a été supprimée pour une bonne raison. Les étoiles bleues de la piscine peuvent donner à Mario une grande quantité de vitesse, si elles sont utilisées correctement. Donc la course a pu être trop facile. Bluegrass Galaxy. Finissons-en avec Bang Bluegrass. C'est un genre de musique qui est originaire d'Amérique des années 1940 et tire son nom du groupe Bill Monroe and the Bluegrass Boys. Les racines de la musique proviennent des ballades et des airs de danse traditionnels anglais, écossais et irlandais, ainsi que du blues et du jazz. Les airs sont traditionnellement composés d'instruments acoustiques et ça sonne funky. Nous écoutons la musique en ce moment et vous reconnaîtrez cette chanson du niveau Mario Galaxy 2, Puzzle Plank Galaxy. C'est ce à quoi on a affaire. Mais d'où vient la galaxie ? La partie de la galaxie Bluegrass devient délicat ici. C'est une galaxie d'où on peut penser qu'elle a déjà existé. Cependant, il semble que ce soit une surinterprétation par ceux qui croient qu'elle a été réelle autrefois. En regardant la vidéo de Sunflower, il explique une discussion intéressante que je vais vous citer. En regardant cette discussion entre des personnes sur MarioWiki.com, l'utilisateur CoinCollector explique que si personne ne peut répondre à la question, ce sera considéré comme une information créée par un fan, et cela signifie que les informations inutiles sur le sujet doivent être supprimées. Cependant, CoinCollector déclare que la scène ressemble à une sorte de planète vue dans la galaxie de la station spatiale, et qu'elle pourrait être une planète bêta pour cette galaxie. L'utilisateur SK Marioman se souvient n'avoir jamais vu de planète dans les arrière-plans du trailer de l'E3, mais se souvient de la musique pour l'utilisateur de la galaxie OK. Ça remet en question cette affirmation en réfutant le souvenir de SK Mario. L'homme se souvient de l'herbe bleue,
la musique de la galaxie, la seule musique jouée dans la bande-annonce est le thème principal. Rien d'autre. Maintenant, ça va devenir plus intéressant à partir de là. Nous avons un message de discussion par Pikmin 1254. Il donne la raison pour laquelle la chanson du Puzzle Plant Galaxy s'appelle Puzzle Plant Bluegrass. C'est à cause du genre de musique dont la chanson fait partie d'une citation. Les gens font trop d'histoires sur le nom Bluesgrass. L'utilisateur Kupalmia intervient avec un article de Wikipédia sur le genre Bluegrass. Et ensuite, l'utilisateur suggère d'appeler la galaxie inconnue ou Galaxy 25. C'est comme ça que se termine cette discussion. Une discussion dans la salle de montage. Le sol enterre le mystère dans la terre. Holy Roman Emperor Tatan a commencé une discussion sur les actifs bêta. L'utilisateur Pedian a répondu en déclarant que Mario Wiki n'est pas digne de confiance en soulignant certaines de leurs hilarantes spéculations. Quelqu'un a lu un titre d'une chanson dans la bande sonore et ne savait pas que le bluegrass était un genre musical. Et l'oubli des fans a été ce qui résonne dans les discussions des utilisateurs. Le mystère de la galaxie Bluegrass est terminé. Et voilà, c'était le dernier sujet de cette partie, et le dernier sujet de cet iceberg. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, nous de notre côté on a pris beaucoup de plaisir à la faire, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Bref, sur ce, je vous dis à bientôt, pour peut-être se retrouver dans un nouvel iceberg.